Alors, j'ai choisi la longue marche des éléphants, illustrée musicalement par le groupe rock Kafka. Alors, je connais bien ce groupe rock. On était plusieurs à savoir qu'il préparait un ciné-concert avec deux illustrateurs, auteurs de la bande dessinée La Longue Marche des éléphants, Nicolas Dumonteuil et Troups. Alors, il m'a plu parce qu'il contient tous les ingrédients que notre festival adore. Il y a le voyage, il y a les rencontres, il y a le dessin. Et il y a le texte qui est lu en direct par un comédien. Il y a aussi la musique, bien sûr, avec le groupe Kafka. Alors, guitare, percussion, batterie et aussi des instruments ramenés du Laos par un des musiciens qui est originaire de ce pays. C'est intéressant parce qu'il y a un mélange de musique contemporaine et puis traditionnelle. Alors, on est au Laos. C'est l'histoire d'une caravane d'éléphants et de militants qui a traversé le pays dans le but de sensibiliser la population et les officiels à la protection des éléphants, de ces gros pachydermes et à la biodiversité. Alors Troups et Nicolas Dumonteuil ont suivi cette caravane et ces rencontres au milieu des populations nous permettent de découvrir leur culture, leurs traditions et bien sûr la beauté de tous ces paysages magnifiques.